Hi, we're now beginning the fifth oral French lesson. New material, new questions. Before I go on, I want to introduce you to a little website called Forvo, and it's F-O-R-V-O, forvo.com. And this is a pronunciation website where people can log on, they locate their place in the world, and then they pronounce words. What's interesting about it is that you can hear different pronunciations. So if for some reason you don't like my pronunciation of a particular word or phrase, you can put it into Forvo and listen to alternatives. You will notice that there is some variation in French pronunciation from place to place, even within France, and certainly from France to Canada and France to Switzerland, etc., and France to Africa or Martinique or Réunion. There are very significant differences. Here we go with the lesson. It involves some revision at the beginning, and then we head into new territory. So, no, sir, on the left-hand side, N-O-S-I-R, and on the right-hand side, N-O-N, M-O-N-S-I-E-U-R. I'll repeat that, N-O-N, M-O-N-S-I-E-U-R. Non, monsieur, non, monsieur. And on the left-hand side, no, madame, N-O, and then M-A-D-A-M, M-A-D-A-M. On the right-hand side, N-O-N, M-A-D-A-M-E, non, madame, N-O-N, and then new word, M-A-D-A-M-E, non, madame, non, madame. In this little set, we're going to use the word for dindon, which is turkey, and answer in the negative using the full address of non monsieur or non madame. So, avez-vous? Non monsieur, je n'ai pas. Avez-vous mon dindon? Non monsieur, je n'ai pas votre dindon. Avez-vous mon bon dindon? Non monsieur, je n'ai pas votre bon dindon. Avez-vous mon mauvais dindon? Non, monsieur, je n'ai pas votre mauvais dindon. Avez-vous mon vieux dindon? Non, monsieur, je n'ai pas votre vieux dindon. Avez-vous mon gros dindon? Non, monsieur, je n'ai pas votre gros dindon. Avez-vous mon petit dindon? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit dindon. The next word, on the left-hand side, write the tube, T-U-B-E. Now, this word, of course, does not exactly fit with the rest of the words we've learned so far, which are about dinner. Unless you have to eat through your throat or something like that, rather unpleasant. So the tube, and that is on the right-hand side, L-E-T-U-B-E. Now the pronunciation of this U sound gives foreigners a bit of pause because it's a little bit tricky, but not that tricky. Le tube. The way to do it is quite simple. Just go with your tongue relaxed and sort of slopping around your mouth so the sides of it are touching the sides, and then pretend you've seen something nasty and go ew, ew. Now do that without moving your tongue, so leave your tongue sort of dead there in the middle of your mouth and go ew. Now that ew part is the tube, ew, ew. There you have it. Le tube. And there's a little bit of variation in how Frenchmen pronounce it, sometimes, as always, but generally speaking, le tube, sometimes it's a bit sharper, sometimes it's a bit more relaxed, le tube. So the reason I'm giving you this word is because this sound is very common and it's important to sort of have some practice pronouncing it. So we'll start now. U. Avez-vous le tube? J'ai
les tubes. Avez-vous mon tube? J'ai ton tube. Avez-vous votre tube? J'ai mon tube. N'avez-vous pas les tubes? Non, monsieur. Je n'ai pas les tubes. N'avez-vous pas mon tube? Non, monsieur. Je n'ai pas ton tube. N'avez-vous pas votre tube? Non, monsieur. Je n'ai pas mon tube. The next word, left-hand side, the pipe, P-I-P-E. That's a metal pipe of a stove or the pipe of an organ or some kind of plastic pipe. L-E. T-U-Y-A-U. T-U-Y-A-U. Le tuyau. And here come our questions. Avez-vous le tuyau? J'ai le tuyau. Avez-vous mon tuyau? J'ai ton tuyau. Avez-vous votre tuyau? J'ai mon tuyau. N'avez-vous pas le tuyau? Je n'ai pas le tuyau. N'avez-vous pas mon tuyau? Je n'ai pas ton tuyau. N'avez-vous pas votre tuyau? Je n'ai pas mon tuyau. N'avez-vous pas mon tuyau? Non, monsieur, je n'ai pas votre tuyau. N'avez-vous pas mon petit tuyau? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit tuyau. N'avez-vous pas le gros tuyau? Non, monsieur, je n'ai pas le gros tuyau. Avez-vous le mauvais tuyau? Non, madame, je n'ai pas le mauvais tuyau. N'avez-vous pas le vieux tuyau? Non, monsieur, je n'ai pas le vieux tuyau. On the left-hand side, do you like or do you love? Question mark. Do you like, L-I-K-E, or do you love, L-O-V-E? And here we have it on the right-hand side, A-I-M-E-Z hyphen V-O-U-S, V-O-U-S. A-I-M-E-Z hyphen V-O-U-S. Aimez-vous. Aimez-vous. And on the left-hand side, I like or I love, L-I-K-E or L-O-V-E, I like or I love. On the right-hand side, J apostrophe, A-I-M-E, J apostrophe, A-I-M-E, j'aime, j'aime. Remember, when we use constructions, sentences like the ones that are coming up next, such as j'aime le bœuf, I like the beef, j'aime le fromage, I like the cheese, this means that I like beef in general, I like cheese in general. It doesn't mean I like this cheese, or I like this specific cheese, or I like this cheese that we're talking about now. It means the thing in general. Aimez-vous le bœuf? J'aime le bœuf. Aimez-vous le vin? J'aime le vin. N'aimez-vous pas le vin? Je n'aime pas le vin. Aimez-vous
Mon gros sel. Non, madame, je n'aime pas votre gros sel. Aimez-vous mon mauvais canard? Non, madame, je n'aime pas votre mauvais canard. N'aimez-vous pas mon poisson? Non, madame, je n'aime pas votre poisson. N'aimez-vous pas le gros poisson? Non, madame, je n'aime pas le gros poisson. N'aimez-vous pas mon petit poisson? Non, monsieur, je n'aime pas votre petit poisson. N'aimez-vous pas le beurre? Non, monsieur, je n'aime pas le beurre. N'aimez-vous pas mon sel? Non, monsieur, je n'aime pas votre sel. N'aimez-vous pas le vieux beurre? Non, monsieur, je n'aime pas le vieux beurre. N'aimez-vous pas mon gros jambon? Je n'aime pas votre gros jambon. N'aimez-vous pas mon poulet? Non, madame, je n'aime pas votre poulet. Left-hand side, write the gravy, G-R-A-V-Y, or the juice, J-U-I-C-E, the gravy or the juice. On the right-hand side, L-E, J-U-S, le jus. L-E and then J-U-S, le jus. Aimez-vous le jus? J'aime le jus. Aimez-vous mon jus? J'aime ton jus. Aimez-vous votre jus? J'aime mon jus. N'aimez-vous pas le jus? Non, monsieur, je n'aime pas le jus. N'aimez-vous pas mon jus? Je n'aime pas ton jus. N'aimez-vous pas votre jus? Je n'aime pas mon jus. N'aimez-vous pas mon jus? Non, monsieur, je n'aime pas votre jus. N'avez-vous pas mon petit jus? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit jus. N'avez-vous pas le gros jus? Non, monsieur, je n'ai pas le gros jus. Avez-vous le mauvais jus? Non, madame, je n'ai pas le mauvais jus. N'avez-vous pas le vieux jus? Non, monsieur, je n'ai pas le vieux jus. The next word on the left-hand side, write the game, G-A-M-E. This isn't a game you play, but it's stuff you eat, like venison or partridge or deer. Stuff like that. And it's on the right-hand side, L-E-G-I-B-I-E-R. I'll repeat that, G-I-B-I-E-R. Pronounced le gibier, aimez-vous mon gibier? J'aime ton gibier. J'aime votre gibier. Aimez-vous votre gibier? J'aime mon gibier. N'aimez-vous pas le gibier? Non, monsieur, je n'aime pas le gibier. N'aimez-vous pas mon gibier? Non,
Je n'aime pas votre gibier. N'aimez-vous pas votre gibier? Je n'aime pas mon gibier. N'aimez-vous pas mon gibier? Non, monsieur, je n'aime pas votre gibier. N'avez-vous pas mon petit gibier? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit gibier. N'avez-vous pas le gros gibier? Non, monsieur, je n'ai pas le gros gibier. Avez-vous le mauvais gibier? Non, madame, je n'ai pas le mauvais gibier. N'avez-vous pas le vieux gibier? Non, monsieur, je n'ai pas le vieux gibier. N'avez-vous pas mon bon gibier? Non, monsieur, je n'ai pas votre bon gibier. N'avez-vous pas le mauvais gibier? Non, monsieur, je n'ai pas le mauvais gibier. N'avez-vous pas mon petit gibier? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit gibier. N'avez-vous pas le gros fromage? Non, madame, je n'ai pas le gros fromage. N'avez-vous pas mon mauvais gibier? Non, madame, je n'ai pas votre mauvais gibier. Avez-vous le mauvais gibier? Non, madame, je n'ai pas le mauvais gibier. N'avez-vous pas mon bon gibier? Non, madame, je n'ai pas votre bon gibier. N'avez-vous pas mon vieux gibier? Non, madame, je n'ai pas votre vieux gibier. The next word on the left-hand side, soup, S-O-U-P. On the right-hand side, L-E. And then P-O-T-A-G-E. P-O-T-A-G-E. Le potage, le potage. The soup. Aimez-vous le potage? J'aime le potage. Aimez-vous mon potage? J'aime votre potage. Aimez-vous votre potage? J'aime mon potage. N'aimez-vous pas le potage? Je n'aime pas le potage. N'aimez-vous pas mon potage? Je n'aime pas votre potage. N'aimez-vous pas votre potage? Je n'aime pas mon potage. N'aimez-vous pas mon potage? Non, monsieur, je n'aime pas votre potage. N'avez-vous pas mon petit potage? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit potage. N'avez-vous pas le gros potage? Non, monsieur, je n'ai pas le gros potage. N'avez-vous le mauvais potage? Non, madame, je n'ai pas le mauvais potage. N'avez-vous pas le vieux potage? Non, monsieur, je n'ai pas le vieux potage. N'avez-vous pas mon bon potage? Non, monsieur, je n'ai pas votre bon potage. N'avez-vous pas mon petit potage? Non, monsieur,
Je n'ai pas votre petit potage. N'avez-vous pas mon petit potage? Non, monsieur, je n'ai pas votre petit potage. N'avez-vous pas le gros potage? Non, madame, je n'ai pas le gros potage. N'avez-vous pas mon mauvais potage? Non, madame, je n'ai pas votre mauvais potage. Avez-vous le mauvais potage? Non, madame, je n'ai pas le mauvais potage. N'avez-vous pas mon bon potage? Non, madame, je n'ai pas votre bon potage. N'avez-vous pas mon vieux potage? Non, madame, je n'ai pas votre vieux potage. On the left-hand side, write, do you desire, D-E-S-I-R-E, do you desire, question mark. On the right-hand side, D, E, with the acute accent, that's the accent that goes forward and rises upwards in the direction of the word. E acute, S-I-R-E-Z, hyphen, V-O-U-S. D-E acute, S-I-R-E-Z, hyphen, V-O-U-S. Désirez-vous, 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 and I desire, on the left-hand side, D-E-S-I-R-E. On the right-hand side, J-E, D-E acute, S-I-R-E, J-E, and then D-E acute accent, S-I-R-E. Je désire, or you can say, je désire, je désire. Here we go. Désirez-vous le bœuf? Je désire le bœuf. Désirez-vous le vin? Je désire le vin. Ne désirez-vous pas le vin? Je ne désire pas le vin. Désirez-vous mon gros sel? Non, madame, je ne désire pas votre gros sel. Désirez-vous mon mauvais canard? Non, madame, je ne désire pas votre mauvais canard. Ne désirez-vous pas mon poisson? Ne désirez-vous pas mon poisson? Non, madame, je ne désire pas votre poisson. Ne désirez-vous pas le gros poisson? Non, madame, je ne désire pas le gros poisson. Ne désirez-vous pas mon petit poisson? Non, monsieur, je ne désire pas votre petit poisson. Ne désirez-vous pas le beurre? Non, monsieur, je ne désire pas le beurre. Ne désirez-vous pas mon sel? Je ne désire pas votre sel. Ne désirez-vous pas le vieux beurre? Non, monsieur, je ne désire pas le vieux beurre. Ne désirez-vous pas mon gros jambon? Je ne désire pas votre gros jambon.
Ne désirez-vous pas mon poulet? Non, monsieur. Je ne désire pas votre poulet. And that brings us to the end of the lesson. I'm going to try and keep the lessons to around about 20 to 25 minutes long. I think that's long enough. The first lessons were longer, just to get you into the swing of things. But now we can have slightly shorter lessons. Thanks. Bye.